de ce qui se passe, que c'est un désordre qui vient d'être alimenté par des personnalités officielles, parce que nous sommes un parti politique, nous avons un statut, nous avons le règlement d'ordre intérieur, et nous savons comment on peut arriver à changer les leaders, les responsables du parti politique. Et le même ministère dont on dit qu'aujourd'hui a nommé des personnes pour me remplacer et avait fait une note pour dire que nous arriverons jusqu'à l'organisation du congrès pour qu'on mette définitivement un président. Et cela devait se faire. Maintenant, on ne peut pas accepter qu'un ministère accepte ce qu'on a appelé, je ne sais pas, présidium, deux personnes qui travaillent dans un même bureau et qui trouvent qu'ils peuvent chasser quelqu'un, alors que cette histoire de présidium n'est même pas reconnue par nos statuts, comme je vous ai dit, par nos règlements. Alors, c'est une histoire inventée parce que la personne en question, dont on a mis comme remplaçant, s'est félicité déjà et citer le nom du vice-premier ministre qu'il viendra un jour à notre congrès, tout ça. Et tout le monde le sait parce qu'il avait dit que c'est son ami, il l'avait dit dans la salle. Nous ne pouvons pas accepter une telle situation. Notre parti, c'est un parti allié au président de la République. Nous l'avions soutenu pendant la campagne, pendant les élections, et nous le soutenons pour son deuxième mandat jusqu'à la fin. Alors il ne faut pas... nous savons naturellement qu'il y a des personnalités, telles qu'on l'a dit dans le communiqué, qui sont derrière des personnes qui se disent remplaçants du président. L'UNAFEC est un parti qui a une fondation, qui a une base importante au niveau du Katanga ici. Et la population n'accepte pas ça. Vous êtes des journalistes et vous pouvez le savoir. Et nous sommes là jusqu'à l'organisation du congrès, que nous allons faire d'ailleurs bientôt, parce que tous les anciens, les cofondateurs, les membres du comité politique, reconnus par Kyungwa Kumwanza et les directoires, ils seront là. Les 8, nous allons vous inviter. Nous allons faire ça. Nous ne tiendrons pas compte de ce qui vient du fameux ministère de l'Intérieur, alors qu'il ne s'adapte pas, qui devait savoir, parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe, qu'on appelle secrétaire général, qui s'occupe des partis politiques, qui dispose de tous nos éléments, les statuts et consorts, qui ne pouvait pas faire ça. Et nous savons pourquoi ça s'est fait. Nous ne voulons pas tout parler à ce niveau, mais la population n'est pas contente de ce qui se passe. Et nous savons qu'on voudrait éliminer l'UNAFEC. C'est une manière de nous marginaliser, mais nous serons là toujours et nous allons avancer. Je vous remercie.